chocolat, Louis, chocolat, chocolat. Voilà. Oh ! L'opération est musclée, mais sans danger. Le trapage des chèvres sauvages a débuté dans le massif de la Nerthe. À la manœuvre ce matin-là, les services municipaux, ils ont face à eux un cheptel dispersé qui dépasse désormais les 500 bêtes. On essaye de les attirer avec du pain dur, du grain. Hein. Moi, de temps en temps, j'ai un peu de déchets, des carottes, des pommes. Et puis, on essaye de les confiner à un certain endroit pour qu'on les habitue tous les jours. Et après, ils s'habituent un petit peu malgré l'état sauvage. Quoi. Si la meneuse elle se laisse amadouer, le troupeau suit. Une fois dans le camion, direction cet enclos situé en contrebas de Châteauneuf-les-Martigues. Une vingtaine de caprins s'y trouvent déjà. Des naissances ont même eu lieu il y a quelques jours. Mais ce n'est pas tout. 30 à 40 bêtes supplémentaires doivent encore être capturées et emmenées ici. Tout le troupeau sera ensuite placé en quarantaine pour 8 jours avant un contrôle sanitaire et une identification. Ils seront menés par la direction départementale de protection des populations. Elles vont aller, une fois la quarantaine finie, à l'adoption, chez des volontaires qui veulent en prendre. Des éleveurs, beaucoup de professionnels qui nous en ont demandé, et voir aussi des particuliers, mais on vérifiera qu'ils aient un parc suffisamment grand. En parallèle, la Fondation Brigitte Bardot a recueilli la semaine dernière 19 bêtes. L'association Les Chèvres de notre colline, elle, va poursuivre la castration des boucs avant de les relâcher dans la nature. En toile de fond, un même enjeu, réguler la surpopulation des caprins sans les abattre. Ils occasionnent de plus en plus de nuisances, notamment sur l'autoroute A55.